Comment on fait passer là? Oui, Gareth, c'est pas Kratos, si c'est pas sauté. Putain. Et salut tout le monde, c'est Burry Days et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur TF, c'est la 30e vidéo. Le nom Basso vaut de l'or dans le coin. Et qu'il n'a pas encore été traîné dans la boue. Et on va commencer des petites missions pour cette 30e vidéo avant de continuer le chapitre 7. Et là on va voir notre petit notre pote Basso. Si donc tu cherches à te faire un peu d'argent, j'ai des petits boulots à te proposer. Les meilleurs contrats de la cité. Oui, on cherche de l'argent surtout, on va se faire. 23 contrats disponibles. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire, hein, perso. J'ai que du bien à dire de toi, Gareth. Tu le sais, non? A dérobé le tableau il y a quelques temps. Il était sain d'esprit quand il est entré, mais on est... Fera pas dingue. Ces boulots sont parfaits pour un prestidigitateur comme toi, Gareth. Ok, on va faire ça. La cité t'appartient. Alors, allez à la cathédrale, non. On va faire ça. Hop. Oh, c'est la même direction que là où je dois aller en plus. Bon, bah c'est parti. Hein. Parce que là, on a actuellement, on a 1400. Ouais, 1411 d'or. Donc, va falloir trouver un peu d'argent. Pour essayer d'améliorer un peu mon personnage avant de continuer chapitre 7. Ouais, de commencer le chapitre 7 et de finir le, et de faire ensuite le dernier chapitre. Qui sera sûrement le chapitre 8. Parce que je crois qu'il n'y a que 8 chapitres. Enfin j'espère en tout cas. Donc voilà. Là, je suis en mode balistec. Rien sorti des quais. Le chef va répandre l'écarlate. Là, j'étais vraiment en mode. Son pain était sec, mais au moins c'était du pain. Ah, on t'a pas dit. Il a été pendu pour complicité avec les fervents. Et à mon avis, il avait juste du retard pour ses redevances spéciales. Ouais, ouais, ouais. Bon, comment on fait passer là? Oui, Gareth, c'est pas Kratos si c'est pas sauté. Putain, fait chier. Commence bien cette vidéo. Moi, je suis où là? Pas manger des corbeaux. Pourquoi pas? Ça porte malheur. Le malheur, c'est pas si mauvais quand tu le grilles sur des braises. Qu'est-ce qu'ils sont cons? Bon. Je vais réussir à trouver une solution pour monter là quand même. Ah bah. Putain, j'en étais sûr parce qu'il y avait un truc comme ça. Je m'en doutais. Ah là 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 là. Voilà.
Bon, logiquement, ça devrait être easy, non? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon, bah voilà. Bah, c'était un peu facile quand même. On va peut-être en refaire d'autres parce que là, c'était un peu trop facile. Peut-être en accepter plusieurs parce qu'au moins... Ok. Bon, bah, du coup. Hop, ça c'est pour moi. Bon, c'est pas où il faut aller là. J'ai entendu un drôle de bruit. T'as rien entendu du tout, je suis pas là. Ouais. T'es dit que j'étais pas là. Ça fait des lustres que je t'ai pas vu. Mais d'accord. C'est quoi? T'aimes les défis, pas vrai? Ah. Tu as l'œil, Gareth. Je sais pas ce que j'ai pris, mais bon. Voilà. Fais pas prendre la main dans le goudron. D'accord. Ouais, donc du coup, là, on a plein de missions, hein. C'est bien. C'est cool! C'est quoi ça? Trahison? D'accord. Oh bah. Ah, je savais pas qu'on pouvait tourner la carte. C'est cool ça. Alors on va aller là. Merde, je vais chez la machin là. Ah bah de toute façon c'est pas grave, faut que j'aille chez elle aussi donc. D'un côté ça tombe bien. Par contre le jeu il est vraiment noir, hein. On va chier.
Gareth, je savais que tu reviendrais. C'est très aimable. Partageons donc une tasse de thé. Ah. Ça, je vais pouvoir... Putain. Je vais pouvoir... acheter un truc. Faire ça, hein. Voilà. Ça c'est cool. C'est où ça en fait? J'en peux jamais. Ah ouais, d'accord. J'ai plus trop deux, non? Non, c'est grave. Allez, je vois tellement rien que je sais même pas où je vais. Je peux peut-être faire le jeu un peu moins sombre parce que là, je calchi. C'est un peu mieux. Bon allez, on va aller en mode barbare, hein. En mode balistique. Voilà. La résidence principale de la jeune femme. Ça me fait penser à une cage à oiseaux. Au calme. Il y a la meuf qui dort, je vais même pas caler. Là, je le vois. Merde. Ta bouche. Non mais. C'est bien, ça l'a même pas réveillé quoi. Au calme.
n'avait rien sur lui. Non. Non, tant pis. Oula. Quelques petits trucs à récupérer, c'est bien ça. Malheureusement, je connais pas le code. Je vais prendre ça. Cool. Bon. Que dalle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Délire. Dérober le petit miroir. D'accord, je vais comprendre. Alors, on va y voir ça. Sur 24, c'est ça? On va voir ça. Parfait. J'ai jamais aimé les miroirs. Je préfère rester invisible. Ok, bon, ça c'est fini. C'est parfait. Bon ben, la suite, hein. Faire ça, c'est le plus près.
Et non, normalement il y a le truc de Hector ou je sais pas quoi, non? Ouais. Bon, lui, c'est quoi qu'il faut faire? Alors, dérober le flacon de médicaments. Ok, on va voir ça. En fait, j'aurais pu accepter tous les contrats. Tu crois vraiment que ce docteur fait mieux que ses remèdes à la mort moelle breux pour y vendre ailleurs? Je te pose la question. Est-ce que t'achèterais un remède à un gars qui a lui-même attrapé la grisaille? Mais Marco a dit... Je te répète ce que Marco a dit. Ouais, blablabla, je fais semblant de savoir des trucs et il y a que les crétins qui m'écoutent. C'est marrant, ça. Tu l'imites bien. Ouais. Je me dis que ça va être compliqué. On va déjà dévisser ça, au cas où. Passe par là. Hein. Le volume de Bill doit être proportionnel au volume de Sally. Sinon, pas bien. Pas bien du tout. Oh là, mais ça ne va pas. Je dois faire vite. Je dois rester éveillé. Rester lucide. Il faut que ça marche. Être proportionnel. Sinon, pas bien. Pas bien du tout. Ça c'est fait. Bon, maintenant. Soi-disant remède de Troy. Les potions miraculeuses, j'y crois moyennement. Ouais, c'est déjà fini, ok. Bon ben, c'était du rapide. Hein. Quand même aller voir si dans la pièce ça il y a quelque chose. Arrête, c'est nimp. Mais arrête. Putain, enfoiré. Ça, c'est nimp. Ça use beaucoup de mes machins, par contre. Hein. Enfoiré.
Putain. Pas possible ça. Putain, ouais. Oh, j'espère que je vais récupérer des bons trucs là. Faut que je récupère de la merde. Eh ben, pour l'instant, c'est de la merde. Ah, y'a rien. Que dalle. Chut. Bon, on se casse. Et chier. Ce qu'il y a à nous proposer. Je trouve que je gagne pas beaucoup d'argent quand même. Merci d'être venu. Mon homme de métal est presque terminé, maître voleur. La dernière pièce manquante est le moteur, son cœur en quelque sorte. Ce dispositif est en la possession d'un certain garde-temps. L'horloger ? Oh, tu en as entendu parler ? Mais est-ce que tu sais qu'il a perdu la tête ? Ce vieux Maboul a conçu le cœur avant de devenir fou. Il vit maintenant comme un ermite, cloîtré chez lui. C'est là que tu trouveras le cœur de mon homme de métal. Je savais que tu me comprendrais. Garde-temps vit à Stone Market, près de Grande Modène. Il te faudra t'introduire chez lui pour trouver le cœur de mon homme de métal. Ok, bon bah on va faire ça et puis après on arrêtera sur ça. En espérant que ce soit pas trop chiant. Puis lors de la prochaine vidéo, on continuera le chapitre 7, je pense. Que je trouve un moyen pour aller là-haut. Mais quel con. N'oblige pas à venir te chercher. Et ciao. Oh, je suis trop rapide pour vous les gars. Tu vas adorer. Les cafards ont voulu expulser Mortimer. Ça, c'est vraiment un sale boulot. Bon. Ah, par contre, je suis pas loin d'un objectif là. C'est quoi ça? Oui, le dingue. Allez, je vais faire ça.
C'est à côté en plus. Alors ils l'ont roué de coups. Fallait s'y attendre. Et puis ils l'ont balancé dans une charrette. Il était même pas mort. Bon, faire quoi chez lui là? Dérober, je sais pas quoi. Un montre en or, ok. Here we go. Ça correspond bien à ma vision d'un endroit mal famé. Personne ou quoi? Ma gueule. Tu me dis, y'a personne ici? Bon, tant mieux, au moins je suis tranquille. Possible ça. What? Ah. Il était pas facile celui-là. Hein? Ah, on voit à peine le truc, rush. Ah, what? Ok. Ouais bon. On verra ça après. Hein. Quelque chose me dit que c'est en haut donc. T'en fous est-ce qu'il y a là déjà? Ah. D'accord. Et finalement ça me prend plus de temps que prévu, c'est une petite mission. Truc de fou. Let's go. Ah, bien. Un peu d'argent. Très joli.
devrais en tirer un bon prix, donc je ne dis pas où je l'ai ramassé. Voilà. Bon, est-ce que j'ai le temps de faire l'autre mission? Ouais, je pense que oui. Allez hop. Regarde-moi ce cataclysme! Qui est censé nettoyer à la fin de leurs stupides émeutes? Je vais pas m'attarder dans le coin pour le découvrir. On pourrait se faufiler hors de la cité. Il paraît que Black Group est agréable à cette saison. Putain. Pas quand je suis bloqué comme ça là. Ah, par là. Non? Sérieux? Ah, par là. D'accord. Nouveau passage secret ou quoi? J'ai bien l'impression. D'accord. Par ici, frères et sœurs, il est grand temps que les fervents ouvrent les bras aux enthousiastes. Est-ce qu'on va rencontrer Orion? Bien sûr. C'est lui qui regorge d'espoir, ma sœur. Oh, fais chier, putain. Eh merde, c'est à gauche. Et ciao. Vous mourrez pas. Cherchez pas, vous mourrez pas, de toute façon. Il faut aller juste là, en plus. Voilà. Easy, easy, easy. Easy man. Yeah. Allez, au cœur de la question. Voilà, je suis arrivé dans le truc. Notre belle steak. Ouais, ok. Donc là, c'était quoi qu'il fallait faire? Aller récupérer le cœur. Le cœur de l'automate. Une lettre d'Hector.
bien, 60, putain la vache. Il y a bon. Il y a de la thune chez lui, vache. C'est quoi ça? Bizarre, très bizarre. Bon, on va chercher notre cœur de métal. Voir quelqu'un, je suis pas fou. Bon, on va essayer toutes les portes. Hein. Bon, à mon avis, c'est la dernière, mais bon. On va déjà essayer ça là. Carache. Bon ben, dernière porte, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon. Petite mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas trouvé le truc. Putain, chier. Où aurait bien pu enfermer son bordel. C'est vrai que j'ai pas été ici. Bon bah ça doit être ici à mon avis. Ah bah oui. De pas où. Hop. Hop là. Putain, c'est pas possible. Il y aura un indice quelque part, c'est pas possible. Non. Des murs coulissants, les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Ah la vache. Ça j'hallucine. Mais what? D'accord. Que deux portes, hein. Que deux portes. Après, je sais pas ce que ça a ouvert là, perso. Toute la mécanique là, c'est tombé. Mais... Ah ouais, mais d'accord. En fait, ça m'a ouvert des passages et tout. Truc de ouf.
Bon, quoi qu'il en soit, ça commence à durer un peu longtemps cette histoire. Et on va s'arrêter là. Parce que je sais pas combien de temps ça va durer encore et je suis bientôt fait une heure de vidéo, donc voilà. Donc bref, on continuera cette mission la prochaine fois. Et on enchaînera avec le chapitre 7, normalement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour la suite. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.